dont je suis, dont je plie sous le poids. Je manque d'équilibre, donc je tombe parfois. On m'a donné un corps, il faut que je fasse avec. Raide comme une planche, et alors, j'en fais pas un complexe. On m'a donné une tête qui n'y correspond pas, mais c'est même bien utile quand le corps ne suit pas. On m'a donné des pieds pour aller de l'avant, même face au vent, même à contre-courant. Mais on m'avait pas dit que le moindre faux pas me démolir une vie, et moi qui me rattrapera. On m'a donné des mains pour l'étendre à mon prochain, sans attendre qu'il la saisisse, pour m'emmener plus loin. Mais on m'avait pas dit que je devrais m'en servir pour donner des coups et en recevoir de pires. On m'a donné des yeux pour admirer le ciel, pour les faire miroiter dans une demoiselle. Mais on m'avait pas dit qu'un œil tourné vers quelqu'un le soir peut emmener sur le billard, voire dans un corps billard. On m'a donné une langue pour exprimer mes pensées, sans avoir l'intention d'envenimer ou de blesser. Mais on m'avait pas dit qu'une langue trop bien pendue peut déchaîner des foules, mettre en péril des individus. On m'a donné un bic pour libérer mes mots, emprisonner dans mon esprit et vous en faire cadeau. Mais on m'avait pas dit qu'une fois sortis de leur contexte, tes mots peuvent se changer en armes pointées sur ta tête. On m'a donné la vue parce que capital de voir plus grand, d'élargir son champ de vision, se projeter dans le temps, préparer son avenir, s'adapter à des temps nouveaux. Il faut faire de grandes choses pour sortir du lot, sortir de l'eau. Parce qu'il est capital de travailler, de se donner, de s'essouffler. Parce qu'il est capital de se soigner, de s'embellir, de se formater. Parce qu'il est capital de surprendre, de briller, de sublimer. Parce qu'il est capital d'être une pointure pour se faire respecter. On m'a donné une tête pour rester cohérent. Faut-il oublier mes rêves? On m'a donné un corps, mais pour garder la santé, faut-il moins faire la fête? On m'a donné des pieds pour être équilibré. Faut-il rester terre à terre? On m'a donné une langue, mais pour rester en vie, faut-il savoir se taire? Tant de questions sur lesquelles je me penche, mais à force de trop pencher, s'en devient un vide de sens. Car je penche,